Salut, c'est Marlouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Tuto comment faire une avance rapide dans Share Factory PlayStation 4. Donc, si on est dans le menu normal, donc ça marche pour toutes les versions normalement. Donc, faites nouveau projet. Donc, là, vous avez tous les thèmes. Par exemple, moi, je charge Watch Dog. Voilà, moi, je sélectionne tout ça. Et par exemple, on va prendre. Est-ce que lui, il en a accéléré? Voilà, comme ça. Vous voyez? Bah c'est facile, vous voyez, là ça fait 9 minutes et là je l'ai remis à une minute. Donc on va prendre le projet, donc je le renomme pas. Hop, et là vous l'avez. Vous faites carré, time blender, et là si vous faites x2, ça vous fait en x2, donc ça vous fait 4 minutes. Oula, mais si là vous voulez le faire plus vite en x4. Bah ça va faire image par image. Donc ça fait moche. Vous voyez, ça fait moche. Donc il faut faire. Même si on met fluide, ça change rien. Vous faites x2. Voilà. Vous faites. Attendez. Option. Exporter vers galerie. Voilà. Vous l'exportez vers la galerie. Comme je l'ai. Après, vous pouvez enregistrer ou soit quitter sans enregistrer. Vous faites le nouveau projet, vous faites pareil. Voilà. Et vous prenez le projet que vous avez pris. Donc, moi, vous voyez, il est là. Donc, ça, c'est x2. Donc, c'était celui-là, mais en là. Donc, voilà, vous le sélectionnez. Vous le renommez pas si vous voulez. Et là, vous faites carré. Time Blender. Et là, vous pourrez faire x2. Et là, regardez, là, voilà. Là, ça fait 2 minutes. Et là, vous pouvez le faire autant, 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 autant que vous voulez. Et donc, ça donnera un résultat comme ceci, là, en 2 minutes. Mais si vous le refaites encore, ça sera en 1 minute. Si vous le refaites encore, ça sera en 30 secondes. Mais je ne l'ai pas fait 30 secondes parce on voyait pas rien, mais ça passe vite. Et donc ça vous donne ce résultat donc de 9 minutes à 1 minute. Donc ça donne ceci. Et ça va assez vite, mais c'est le principe. Et donc ça fait x2, x4, x8, x16, x32 et x60. Attendez, x64. Ouais, donc 64, ça on voirait pas. Faudrait que ça soit 1 heure pour faire 64. Donc voilà, donc c'est très simple, hein. Donc je refais un petit résumé. Nouveau projet, vous choisissez un thème, vous prenez la vidéo que vous devez prendre. Par exemple, on va le faire avec celle-là. Non, il y en a, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Bon, on va reprendre celle-là, donc de 9 minutes. Faites sélectionner, faites continuer si vous voulez pas le renommer. Là, quand vous arrivez ici, vous faites carré, Time Blender, x2, fluide, ça sert à rien. Voilà, vous faites option sur la manette, exporter vers la galerie. Vous refaites ceci plusieurs fois. Voilà, moi je sélectionne tout. Et qui vous arrive ici, après vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites, et ça arrive ici. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si c'est pas fait. Et puis moi, je te dis ciao ciao!